Thank you. Thank you very much. Ambassador Lopez, Prime Minister, I, um, Excellencies, um, friends and colleagues in the private sector, and uh, ladies and gentlemen, um, Pierre, I think uh, forums like this. Helps to unite um, the continent. So I'd like to congratulate you for hosting such a beautiful conference. Um, thank you very much. I um, um, like to talk a little bit about what uh, Pierre's. Uh, Conference has directed me to talk about, but I just want to go a little bit off track. The private sector has always been the engine of growth in most economies, but the private sector has lots of obstacles in the process of running their businesses and sometimes the biggest obstacle is the government governments in west africa and southern africa where i operate sometimes uses tools to intimidate the private sector or use tools if they see the private sector as an opponent in the government policy. And it's rather unfortunate, but conferences like this can unite the private sector together to be able to navigate their way and impose the private sector's vision as the engine of growth. But the private sector cannot do development on its own. Because governments and the private sector overlap. And there are some countries where the biggest business or business provider is the government. And so the private sector sometimes is totally indebted and have their hands <laughs> in the government's uh, pocket. So it's so important. That the private sector in West Africa or in Africa gets together to navigate their way and not be dependent on government strategy, but on the private sector strategy to move the economies forward. And we've tried to do that with my bank and my other businesses. It saddens me that Ghana and Ivory Coast produces close to 65% of the world cocoa, um, but they cannot determine the price of cocoa. It also saddens me that the government of China has recruited about 36 scientists from the Ghana Cocoa Research Institute and they moved them to China and hopefully in two years China could be the world's biggest cocoa producer, which means that the economy of Ghana and Ivory Coast, which produces 65% of the world's cocoa, will be in crisis. I don't know what my president, Akufo-Addo, and uh, President Ouattara have in place for this, but I think the train left the station long time ago. <laughs> and China is just moving forward with speed. They've also acquired lots of land in sub Saharan Africa to grow food. One of the best waterways in the world is in Africa. And you can see that our friends from China have acquired the best land close to the Nile, close to the Volta. And so they are positioning themselves to have food security and water security, which is what the private sector has to realize that in Europe, most of the beautiful cities developed around rivers and waterways. Um, the private sector, unfortunately, have strategic plans for three, four years, five years. Government comes in, they get elected, the next day they want to be re elected, so the private sector has to be nimble enough to adjust its own strategic plans based on government policy. <laughs> and sometimes the private sector's biggest competitor is the government itself. Um, so, conferences like your conference should not just end like this, but we should form networks to always strategize how to get the private sector to not only consolidate, because i can remind everybody here, governments comes and goes, but businesses always strive and survive. to conclude, and i'm happy to take all your questions, um, my own personal experience is that i, I assemble uh, mahindra, uh, tractors and, and pickups. I've just delivered some in Benin, but it took me like five months to get them out of the port. I assembled three wheelers with all my strategy and vision. I thought Nigeria was my biggest market. We produced 80 of them. It took me seven weeks to cross from Ghana to Togo, and it took me another month from Togo to Benin, and Nigeria took me six months. I couldn't even get them in there. The cost of doing business in West Africa. Anglophone West Africa, Francophone West Africa is so difficult because of involvement and influence from our colonial masters. Um, it's real, it exists, and um, I hope the private sector would navigate their way out of this for survival. So, um, i am happy to say that the, the responsibility is much bigger than you can imagine. the responsibility is not only against our governments, who have a different strategy from the private sector, and all the interested in is, uh, taxes, taxes, taxes. i'm not a believer in overtaxing the private sector. i'm a believer in the private sector paying its due. But giving them the opportunity to create jobs and better the um, situation for uh, our, our people. Thank you. Thank you very much. <laughs> so, thank you for this great presentation, sir. Uh, we may have four questions for you. The first one um, is that we all agree here to say that Africa has everything, so, human resources. And natural resources as well. So, unfortunately, when zooming on sub Saharan Africa, figures show a decline in GDP. And when looking closer to your country, Ghana, real GDP growth slowed from 5.4% in 2021 to 3.3% in 2022. So, what does Ghana need to resume with a positive economic growth? Um, I know that i'll answer this question as a guinean politician will answer. they'll blame covid-19 <laughs> and they'll bl blame the, um, the war in ukraine. that's the answer they'll give you. but, but you they know, never talk about corruption. And they never talk of over-expenditure. because when they get elected, most governments, they are working for the next re-election. so that, 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 that is it and so as a private sector company or as a bank, we position ourselves to be beyond that. Um, i mean, we have banks in ghana, which is 100 years old. Um, we're only 18 years old, but we had a, a great recruitment drive to bring people from the diaspora, from all over the world. Um, and you actually has recorded a 32% increase in profit before taxes in 2022. yes. Banks and insurance companies pay over 76% taxes to government. They're overtaxed and they're overtaxed and they're overtaxed. And that's why banks will charge higher interest rates to the clients. So because the banks are overtaxed, they can't give credit to the private sector. But, um, you know, it's, it's two things. I think uh, a scratch record when it's Ukraine war and COVID i think that, 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 that matter doesn't work. they never talk about mismanagement. they never talk about price of cocoa going down. or they never talk about price of gold going down. they never talk about the price of oil. but the most important thing is overexpenditure. you're collecting more taxes, but you are spending more. government is too big. government is hiring people every day. Government is sitting in 150,000 four-by-fours all over the city. You know, those are the things. Sometimes charity begins at home. So yes, that question is very relevant. But you can't just expect the private sector to keep squeezing and squeezing and squeezing, because the private sector has shareholders. We're private driven. We're not International Red cross. We have to pay dividends to our shareholders. But the government wants the private sector to squeeze, 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 and they don't want to squeeze they want to fly the first class they want to stay in the most expensive hotel they want to go to the un delegation with 200 people i mean on and on and on so i'm sorry that question it should be addressed to the government sector not to the private sector because we always do the right thing and we make sure that we, <laughs> we cut cost to meet shareholders value i think you know uh, government will have to decide uh, to cut costs within and, and not just hire you know, relatives and not just hire, hire people who are competent to do the job. You know? So that question should be addressed to the government sector. But we in the private sector do our best to cut costs. But I, I can say that despite the fact that the, the Bank of Ghana uh, tightened uh, the monetary policy. Fidelity Bank is actually showing extraordinary results. Yes. So, what is the key <laughs> well, and the, the recipe of your success, despite the fact that the, the, the government is keeping expending money, spending money every time? Well, um, there's an old saying that you can't spend money you don't have. If you try to spend money you don't have, you get yourself in a hole. So, we as a bank, Realize that we don't need to go to London to get approvals or Paris or South Africa. Uh, we, we make our decisions in Ghana. It's run in Ghana with a, a, a first class international board. So we're nimble. We, 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 we are able to make decisions on the sport. But the, the, the key factor is that 10 years ago, we decided to set up an Asia desk and we recruited ghanaians who speak mandarin. and i have six top ghanaians who speak mandarin without an accent, Architects, engineer, and one pharmacist, and converted them to bankers. and so we created the asia desk to deal with trade going into asia. and we figured that business was declining to europe and the u.s., and all the trade and treasure deals was going towards india and china the other thing we did was that we went and opened a bank in malaysia and so we have a full-fledged two branches in malaysia one in labuan and one in kuala lumpur and we were able to send ghanaians to malaysia and brought malay into ghana and chinese malay indian malay under english law so all the lc's which <laughs> goes to asia is terminated in Malaysia. So, 10 years ago, when we did that, uh, EcoBank is doing that now, but we were above the curve. And when you come to the bank, you see Chinese Fidelity Bank workers. So, it's about policy, it's about strategy, and that's what has kept us going uh, up to now. So, I think uh, to be nimble and to be strategic ahead of time, and, and that's what we're doing. I, I don't think even Bank of Ghana, the central bank, has a Chinese desk. And the other thing we did which I think everybody thinks is funny is that we created a desk for religion. They are the fastest growing businesses that don't pay taxes. So we recruited five pastors in the church who work on the religious desk. And we had to buy six new bullion bonds to collect the cash every Sunday from all the um all the churches. churches. Including the biggest church in Ghana, which is Action Faith, we have a bank and a branch in the church. <laughs> so, uh, um, and it works. So, the Pentecostals have free money. They don't pay taxes. We decided <laughs> 10 years ago that we will be with the churches. We will be in the churches and collect the money for them. We will count the money for them and save them all the problems. And that has also worked. <laughs> Something which is not normal. You have to operate in a world which is not normal with normal strategy and normal policy. Congratulations to you. <laughs> uh, according to the African Development Bank, Ghan Ghanian public debt has ninety three so point five percent, so represents ninety three point five percent of the GDP. So, how can the financial sector? Or the banking sector uh, assist the government in this difficult time? Hmm. <laughs> I think the government put a gun on the head of all the insurance companies and all the banks uh, last year. Um, for 18 years, we've paid dividends. We've paid dividends all the time. And in 2023, we couldn't pay dividends because the government came up with a policy. To go to the IMF. And the cause of the problem is not that the banks were not doing well or the banks were not doing the right thing. The banks were doing the right thing, the insurance companies were doing the right thing, but government blames COVID and, 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 and uh, the war in, um, in uh, Ukraine. So um, big banks, EcoBank, lost 800 million, not because they didn't do well. Uh, Stumbake, all the other big banks. And we were also hit. But you must be able to survive if you're hit. That's why we've still declared a lot of profit when other banks that depend on government instruments and treasury bills, that's low hanging fruit. Mm. So we decided that we will give loans. That's why the loan book is very big. And give innovative loans to the mom and pop business, the small scale businesses. And we survived that because we got investment from the Rothschilds from France and Switzerland that owned 20% of our bank. And we had lots of capital about eight years ago. And we bought a savings and loan called Procredit, which was the largest savings and loans, which was dealing with the low end of the market. So they don't come to you and negotiate for small fees. If I'm dealing with Unilever or dealing with. Uh, the big companies they'll come and negotiate everything with you. The small businesses want service service. So and quick our, service. That's it. So we are not just a universal bank, we are a retail bank. We're in the markets. We're in the posh places. We are in the villages. You know, we have ninety five branches in um, you know so you have to target and and take care of the market. And you're in the churches as well. We are in the Treasury because uh, the, the, gov the, the government, uh, current government, gave us the opportunity to go to the capital markets. The capital markets is usually reserved for the big boys Standard Chartered Bank, the Barclays Bank, the Citibank. And every time Ghana goes to the commercial market, they go and see these big guys to go and leverage one billion, two billion. So we made a case and we said, look, we're a Ghanaian bank. Give us the opportunity to go to the capital markets to also raise the money for you. Mm -hmm. and uh, we raised 2.2 billion on the capital markets with sana Chartered bank. we raised 70% of it. and we won all the euro money awards and everything because it was the first time to see an african bank in the capital markets raising money for the government of ghana. Okay? and that also helps us treasury services and advisory services. Mm -hmm. so that's why we are not doing things normally, but we can't compete with the big boys but we can make decisions faster and quicker. thank you very much for your time. thank you. we appreciate it. thank you. Thank maybe you have a last word for all the people here, um, entrepreneurs who will do uh, <laughs> business, who want to do business in africa. Um, one of the key things is life is what you negotiate for. if any door is out there and you believe you should enter, Negotiate and enter it. Don't take no for an answer. That's number one. The most important thing is don't do anything dishonest. It'll catch up with you. It'll, it won't catch up with you today, but it'll catch up with you. So, as a businessman, everything you do must be credible and you can stand the test of scrutiny. When um, governments don't like you, they use the tool of the judiciary or they use the tool of the I, uh, the tax office to come after you. But I can assure you, when you do things properly and you don't do anything dishonest, you fly the test of uh, excellence. So, my advice is life is what you negotiate for. If you believe in something, go for it. But in the process, don't do anything dishonest because it will catch up with you as a businessman. Thank you. Thank you very much. Applaudissements, s'il vous plaît, pour accompagner Pour continuer sur cette table ronde intitulée « Comment l'Afrique se prépare à devenir le nouveau moteur de la croissance mondiale », j'ai appelé notre grand témoin, M. Tarek Chirif, président de la centrale patronale des PME de Tunisie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. En, en 2021, dans un contexte de forte reprise économique suite à la pandémie de Covid-19, euh, le PIB mondial a progressé de, de, de 5,9%. La croissance économique du PIB africain, quant à elle, est passée de 4,1% en 2021 à 3,6% en 2022 et devrait même descendre un peu plus à 3%, à 3 en 2023. La question que je vous pose aujourd'hui, monsieur, est d'après vous, quels sont les prérequis pour que l'Afrique devienne le... Nouveau moteur de la croissance mondiale et reprenne ou renoue avec sa croissance d'antan. C'est une conférence qu'on doit faire. D'abord, bonjour tout le monde. Grand plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Il y a une personne qui m'a coincé par tous les moyens pour que je sois présent aujourd'hui. C'est cela que je remercie beaucoup, bien sûr. J'apprécie beaucoup de, de passer quelques heures avec vous parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses à, à faire au niveau de la diaspora. Ce C'est pas des paroles parce que c'est vrai que je suis d'abord, je suis industriel, je suis opérateur, développeur, opérateur économique en Tunisie, pas uniquement en Tunisie, en Afrique, on va dire, puisque j'ai deux usines, une à en dehors de la Tunisie, une à Alger, une autre à Dakar. Mais euh, j'assume également la présidence de la Connect, qui est le deuxième patronat en Tunisie, l'équivalent de la CPME en France. Et je suis président d'ANIMA. J'ai l'honneur de présider ANIMA, qui est une institution qui regroupe 70 entités euh, européennes, Moyen-Orient et Afrique, et qui compte quelques. Euh, centaines de milliers d'adhérents à travers ces entités. Donc, euh, très heureux de partager avec vous. Et au titre d'anima, nous sommes très focalisés sur la diaspora. Et le dernier événement en date que nous avons organisé, c'était à Paris. Et c'était Myth Africa. On n'était pas les seuls organisateurs, mais on était parmi les principaux organisateurs. Et je peux vous dire que... C'était un événement exceptionnel. C'était au Palais des Congrès à Paris. Donc très heureux de partager avec vous ces moments et pour essayer de répondre à votre question, qui n'est pas une question, c'est un, un sujet de thèse. Moi, je, je pars du principe, et je ne suis pas le seul, je pense, dans cette salle, que qu'en Afrique, tout est à faire. Tout est à faire. Moi, je ne suis pas d'accord quand on parle de, de 2 ou 3 de croissance possible en, en Afrique. Évidemment, il y a des pays où on peut faire beaucoup plus que ça. Il y a des pays, peut-être, qu'on ne peut pas faire de croissance. Ça dépend des politiques, des visions et des mécanismes et des prérequis. Vous avez utilisé le mot prérequis. Et ce sont des prérequis qui sont très importants au niveau de chaque pays. Quoique. Aujourd'hui en Afrique, avec les rassemblements qui se font dans les régions, c'est devenu un élément également important pour la croissance. La croissance se fait dans toutes les régions du monde, sur tous les continents, mais je ne dévoile pas un secret en disant que l'avenir, c'est l'Afrique, bien sûr, et ça tout le monde le dit. Donc, les investissements se font d'une manière accélérée en Afrique. Ça dépend des pays, ça dépend des régions, mais je pense que vous avez constaté ces dernières années l'évolution des investissements dans certains pays africains. Il y a certains pays qui sont en train de capter des investissements très importants, parce que dans ces pays, on s'est préparé ou on est en train de se préparer pour faire évoluer la législation d'une manière générale. Qui concerne l'investissement dans sa globalité. Et quand je parle d de législation, la législation, c'est le code d'investissement, c'est le code de change, c'est le code de travail, c'est la justice, important, et c'est la stabilité dans le changement de toutes ces législations que j'ai énumérées. C'est bien d'avoir des législations. Mais si on les change d'une manière permanente, régulière et rapidement, ça n'intéresse pas les investisseurs. Et généralement, les premiers qui ont peur, ce sont les investisseurs locaux, parce qu'on ne peut pas raisonnablement capter des investisseurs étrangers si les investisseurs locaux ne sont pas intéressés par leur pays ou leur région. Et c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de, de pays en Afrique. Je pense qu'on a d'excellents exemples. Je ne vais pas me hasarder à les énumérer, mais il y a un certain nombre de pays qui sont à des taux de croissance de 7-8% aujourd'hui en Afrique. Vous les connaissez mieux que moi. Voilà, donc euh, aujourd'hui, les pays d'une manière régulière, je parle de l'Europe, des États-Unis, la Chine, la Turquie, la Russie, quoique, bon, la Russie moins que moins d'investissement économique, plus d'investissement sur d'autres domaines. Mais il euh, y, y, y a une appétence pour l'investissement en Afrique, à nous, Africains, de faire en sorte pour euh, capter le maximum d'investissement, d'être dans une logique d'investissement périn, pas un investissement qui... À court terme. À court terme et qui a des à -coups, et je peux vous assurer qu'on est capable de passer à des niveaux d'investissement et à des niveaux de croissance absolument incroyables. Je passe ma vie en Afrique. Je suis vais pas beaucoup parler de moi, mais je, je suis probablement parmi les trois premiers pour être modeste depuis 20-25 ans qui exportent des produits manufacturés en Afrique. Donc, euh, à ce titre, je voyage beaucoup en Afrique. On a des investissements, comme je l'ai dit, en Afrique. Je suis également responsable continental sportif, puisque je suis président de la Confédération africaine de tennis. Donc, euh, je passe beaucoup de temps euh, de ma vie dans les pays africains. Et j'ai vu l'évolution de, ce, de certains pays. C'est absolument incroyable. Parce que j'ai la chance de passer... Euh, Plusieurs fois, mais à intervalle 3 quatre ans, et je vois l'évolution dans certains pays, c'est incroyable, exceptionnel. Je le vois nulle part dans le reste du monde. On le voit en Afrique, mais tout cela est conditionné par, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vision, des moyens et puis une implémentation après, qui met tout le monde à l'aise et qui mais essentiellement, en premier lieu, les investisseurs locaux en position d'investir, relayés ou en, simultanément par des investisseurs étrangers. Merci beaucoup, monsieur. Alors, Pour vous. Je, je vous mets à l'aise. Moi, je ne suis pas un prof d'économie, <laughs> mais, mais parmi les choses, je suis diplômé en gestion et en économie en droit également. Mais je souhaite répondre à vos questions, si vous souhaitez. Avant, Donc, avant, euh, avec votre permission, donnez la possibilité aux uns et aux autres de poser toutes les questions. Je n'ai aucun problème, toutes les questions sont acceptées. Avant, et je répondrai à toutes les questions. Avant, avant de passer aux questions, merci beaucoup. <laughs> avant de passer aux questions, je vais, je vais appeler sur ce panel euh, trois messieurs qui vont nous accompagner dans la réflexion. Euh, monsieur Stanislas Zézé. Je ne sais pas il est dans la classique. CEO et chairman de Bloomfield Investment Corporation. Monsieur Junior Mbouyi, CEO de JPG Consulting Partners. Et enfin, Monsieur Joseph Nguyen Ntepe, chef de la division de l'analyse de la prospective et de la coopération du port autonome de Douala au Cameroun. Ne soyez pas étonnés que je porte une casquette. J'ai subi une opération la semaine dernière. Donc, je ne peux pas rester sans casquette, c'est pour ça. Désolé, mais pas, je voulais m'expliquer. Ce n'est pas que je porte une casquette par fantaisie, mais par nécessité. Merci. Merci en tout cas de nous avoir honorés de votre présence. Vous nous avez donné justement les prérequis. Ma première question va s'adresser à M. Ntepe. Euh, on a parlé de prérequis, mais peut-être qu'on doit aussi parler d'innovation. Peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce que le port autonome de Douala fait de différent par rapport aux autres ports qui existent aujourd'hui en Afrique Merci beaucoup. Alors, euh, pour coller justement à la. Thématique hein, de, de notre panel, comment l'Afrique se prépare à, à devenir le nouveau moteur de la croissance mondiale. Alors, je prendrai deux axes. Je crois que, euh, à, à mon avis, euh, le premier axe consisterait euh, pour l'Afrique déjà à prendre toutes les dispositions à se doter de tous les moyens nécessaires pour euh, véritablement intégrer la chaîne des valeurs mondiales et briser un peu euh, le statut euh, marginal qui nous caractérise aujourd'hui. Et puis, euh, comme second axe, il faudrait que la prenne toutes les dispositions pour se réapproprier ses euh, richesses, créer de la valeur et utiliser cette valeur ajoutée pour impulser son propre développement sans véritablement avoir besoin euh, voilà, de recourir au financement euh, étranger, à l'aide publique au développement. Et alors pour amener cela au secteur des transports, de la logistique qui nous concerne, effectivement, il faut faire recours euh, à des outils euh, innovants aujourd'hui. Il a été dit euh, depuis hier, nous sommes vraiment au carrefour de diverses transitions aujourd'hui, le, le secteur des transports également. Et euh, comment est-ce qu'au niveau du port de Douala, nous essayons de faire la différence pour nous réapproprier euh, de nos richesses et puis les utiliser pour impulser notre développement Alors, je, je, je vous dirais qu'aujourd'hui, nous sommes en train de briser euh, carrément tous les codes classiques de la gestion portuaire. Vous savez, on nous a toujours, depuis les programmes d'ajustement structurel en période de crise dans les années 90, imposé un modèle de gestion portuaire qui voudrait que le, les autorités portuaires ne restent que des régulateurs et puis confient tout. Toutes les activités industrielles et commerciales au privé, qui ne sont rien d'autre que les multinationales. Et donc, voir les gens gérer les vraies richesses des ports et rester toujours le parent pauvre. Alors, ça, c'est un code que nous sommes en train de briser aujourd'hui dans la nouvelle gouvernance portuaire au port de Douala. Comment Alors, effectivement. Euh nous sommes en train de reprendre en main la gestion opérationnelle de plusieurs activités à caractère industriel et commercial. Euh, je vais prendre quelques exemples. Aujourd'hui, nous gérons directement le terminal à conteneurs. Euh, nous avons créé une régie, et donc c'est l'autorité portuaire qui gère le terminal à conteneurs. Et, et en quatre années, nous avons, à travers cette gestion directe, tripler le chiffre d'affaires du terminal à conteneurs. Nous avons euh, triplé les taxes qui sont versées à l'État. Donc, tripler les gains pour le port, tripler les gains pour l'État. Et le terminal à conteneurs constitue aujourd'hui pour nous un véritable outil de financement des autres projets portuaires. Et donc, nous n'avons plus besoin de recourir aux prêts bancaires. Pour euh, euh, renouveler les équipements du terminal, renouveler les infrastructures. Donc, ça, c'est un exemple de réappropriation de, de, de nos richesses qui peut impulser le développement. Un autre exemple euh, très patent, c'est le dragage du plan d'eau portuaire. Nous sommes un port d'estuaire avec 50 km de chenal, donc il faut draguer. C'est notre autoroute euh, internationale il faut draguer pour que les navires puissent entrer. Mmh. Et là, euh, le, 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 les marchés de dragage jusque-là étaient toujours confiés à des multinationales qui ont des, des moyens logistiques pour le faire. Et le dragage nous coûtait 11 milliards de francs par an. Alors nous avons changé de modèle, nous nous sommes réappropriés l'activité de dragage en achetant nos propres drags, nos propres navires. Et depuis deux ans que nous faisons cette activité par nous-mêmes, nous dépensons moins de 4 milliards de francs par an, donc une, une de 11 mille milliards mille, à 4 milliards. Et l'économie que, que nous en faisons mille mille. nous permet de financer d'autres projets pour développer port Merci beaucoup. Je sais que euh, euh, Monsieur Zézé ici présent ne, ne, ne se demande pas euh, comment l'Afrique peut devenir le nouveau moteur de la croissance mondiale parce que pour lui, euh, l'Afrique a déjà ça, est déjà ce moteur là, mais pour vous, finalement, quelle est la place qu'elle occupe justement dans, 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 ce, dans cette chaîne de valeur Alors, merci. Euh, merci et, et merci à, à la JNDA de m'avoir invité pour la première fois à ces, à ces journées. Et félicitations pour cette organisation qui, met, euh, qui crée une plateforme pour euh, les Africains de la diaspora du continent de parler de leurs problématiques. Alors, pour moi... L'Afrique est déjà un moteur de, de croissance. Je pense que euh, euh, le précédent euh, orateur l'a dit. Hein. C'est en Afrique que vous avez les, les plus hauts taux de croissance au monde, et l'Afrique, vu qu'il y a tout à faire euh, à cause de son potentiel, elle est devenue aujourd'hui euh, l'enjeu géoéconomique du monde entier. Toutes ces grandes puissances qui se battent aujourd'hui euh, sur le continent, c'est pas à cause des beaux yeux des Africains, c'est à cause du potentiel et ce que l'Afrique représente comme moteur de croissance. La question en réalité, c'est comment les Africains s'arrangent pour ne pas être des spectateurs dans cette nouvelle dynamique-là. C'est ça la vraie question. Parce que pour l'instant, les Africains sont des spectateurs. Vous regardez euh, dans la majorité des pays africains, le tissu économique est constitué en moyenne de 90% à 95% de PME locales. Ceci dit, ces PME locales, les 95% ne contribuent qu'à 20%, en 18-20% de la richesse créée. Ce que ça veut dire, vous avez 5%, en 2-5% de sociétés étrangères qui produisent 80% de la richesse. Ce que ça veut dire, les pays africains ne contrôlent pas leur économie. Comment voulez-vous bénéficier de justement ce potentiel et ces opportunités qui se créent si vous êtes des spectateurs, si vous ne, si vous ne contribuez pas en majorité à la création de votre richesse. Donc aujourd'hui, la vraie problématique des pays africains, c'est de, de se mettre dans une position où ils vont rectifier ce biais et justement rattraper le retard. En faisant quoi Premièrement, dans cette préparation, c'est investi dans l'éducation et la formation. Et la formation qui est adaptée au niveau des développements auxquels ils sont aujourd'hui. Vous ne pouvez pas former des professeurs en philosophie pendant que vous avez besoin de menuisiers, vous avez besoin de maçons, vous avez besoin de métiers de technique. Il faut que votre formation, votre éducation soit adaptée à votre niveau de développement. Progressivement, vous arrivez à un moment où vous allez former des professeurs en philosophie si tel est votre besoin finalement. Pour l'instant, ce n'est pas le besoin. Donc, quand vous avez euh, tous ces gens qui sortent chaque année qui n'ont pas d'emploi, ben c'est normal parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre l'environnement qui va les absorber et ce que vous produisez. La deuxième chose, investir dans la santé. Évidemment, des gens qui ne sont pas en bonne santé auront du mal à travailler. Et la santé, c'est la deuxième priorité. La troisième priorité, c'est la recherche et le développement les pays africains n'arrêtent pas de demander qu'on leur transfère de la technologie. Mais qui est-ce qui va vous transférer de la technologie Mais Personne Vous êtes de potentiels concurrents. Et pourquoi vos concurrents devraient vous transférer quoi que ce soit Investissez dans votre recherche et votre développement. Vous savez, il y a des aberrations, comme moi, je vois sur le continent. Dans beaucoup de pays africains, francophones surtout, les pays refusent d'en faire une priorité, la recherche et le développement et c'est l'Agence française des développements qui investit dans la recherche et le développement. Vous êtes sérieux euh, et vous voulez vous développer, mais les résultats de la recherche, qui les aura en premier La France. Qui est-ce qui va orienter la, les recherches et... Mais à un moment donné, il faut que les Africains soient responsables. Je crois que c'est extrêmement important. Euh, si on n'arrive pas, c'est parce qu'on a décidé de ne pas y arriver. Ce n'est la faute de personne. Ce n'est pas la faute des autres. Il faut comprendre que les autres sont dans une logique de défendre des intérêts qu'on ne peut pas leur reprocher. Maintenant, c'est quel est notre intérêt Donc, il faut qu'on puisse financer nous-mêmes nos économies. Il faut qu'on contrôle le financement de nos économies. Vous regardez l'Afrique. Vous avez 54 pays. OK Les marchés des capitaux sont cloisonnés. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas emprunter au, au, au Ghana. Vous ne pouvez pas emprunter au Nigeria. Vous ne pouvez pas emprunter au, au, euh, au Cameroun. Sénégale. Donc en réalité, vous êtes sur un marché de 54 pays, mais vos possibilités d'emprunt sont très limitées, et vous êtes finalement obligé d'aller faire des eurobonds. Mais regardez ce que nos pays empruntent un milliard de dollars, un milliard d'euros, deux milliards, trois milliards. C'est quoi C'est rien du tout à l'échelle de 54 pays. Ce que les Africains devaient faire aujourd'hui, c'est d'avoir un seul marché des capitaux africains. Une seule monnaie. Les monnaies africaines ne sont pas convertibles entre elles. Si je veux acheter quelque chose au Ghana, je passe par le dollar. Je veux acheter au Cameroun, je passe par l'euro. Dans, dans tous les cas, les Occidentaux vont toujours nous contrôler si on reste dans cette logique-là. Mais si on baisse ces barrières, qu'on crée un seul marché des capitaux, une seule monnaie, quand je suis en Côte d'Ivoire, j'ai la possibilité de 54 autres pays. Donc, vous voyez un peu la possibilité. J'aurais plus besoin d'affaires des zéro bond. Donc, il y a des éléments, je ne vais pas en citer d'autres, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut que l'Afrique se prépare justement à reprendre, si vous voulez, son économie et de ne pas être spectateur. Donc pour moi, c'est la vraie question. La question, ce n'est pas la croissance. La croissance elle est déjà là. Mais c'est comment on contrôle cette croissance, comment on la redistribue et comment on, nous, on contribue à la majorité de la richesse créée. La, la, la richesse, justement, elle est créée aussi grâce aux banques. C'est ça qui accompagne euh, les, les entrepreneurs et euh, les, les entreprises de manière globale. Mais elles font également face à plusieurs risques. Donc, comment est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui maîtriser leurs risques dans cette euh, économie croissante Je vous pose la question à M. Mouillet. Merci. Bonjour à tous. Euh, au GINDEA de m'avoir reçu pour la première fois. Alors, la question que vous soulevez est une question qui est fondamentale dans l'approche des risques. Et aujourd'hui, ce qu'on doit faire en Afrique, c'est de sensibiliser beaucoup les banques à adopter une politique de risque qui soit dans l'anticipation. C'est-à-dire que nous devons effectivement être le plus près possible de la réalité de nos entreprises et les aider dans les politiques d'octroi de crédit. Et avec ça, on va créer de la valeur. Secondo, pour l'Afrique, en fait, il faut qu'on arrive à instaurer à établir de la confiance. Pourquoi Parce que la plupart des entreprises ou même des personnes en Afrique ont un manque de confiance vers la banque. Et là, je prends effectivement un cas qui est le cas de la RDC, où je suis originaire. Et pour cela, en fait, il faut aider justement les banques à mettre en place ce genre de politique. Secondo, il faudrait aussi que les banques essayent d'adopter certains standards, c'est-à-dire être rentables, être capables de démontrer qu'elles sont solvables, avoir des ratios de liquidité qui soient conforme et aussi avoir des exigences en fonds propres qui soient bonnes. Et pour cela, en fait, il faut accompagner les établissements bancaires à instaurer ces standards et ces standards vont apporter de la confiance. Et je rejoins également le, les propos de M. Stanislas Zézé. La croissance en Afrique, elle est là, mais il y a des prérequis qu'il faut pour ça euh, euh, que les pays effectivement doivent relever ces défis-là. On a parlé effectivement de, de, des ressources naturelles de l'Afrique puisqu'on a tout. On parle également de la démographie de l'Afrique, puisque dans 25 ans, l'Afrique aura une population de 200, euh, 2 milliards d'habitants, qui fera d'elle en fait, la première population mondiale. Donc, ça, c'est déjà un moteur, euh, un point fort. Donc, suite à ça, les, les, les États aussi doivent contribuer à faire en sorte qu'elles soient vraiment les États souverains. Et quand elles vont arriver effectivement à atteindre ce, ce, ce stade où il n'y aura pas d'impact extérieur dans la politique des États et dans les décisions qu'elles vont prendre, ça va conduire effectivement les États à avoir une politique intérieure qui sera bonne. Et pour revenir effectivement au secteur, euh, au secteur bancaire, si les banques en Afrique, parce que hier on a eu le, son excellence, le Premier ministre euh, du Pénin, M. Zinsou, qui disait qu'on a des banques euh, européennes qui quittent le territoire africain, oui, elles quittent le territoire africain parce qu'elles euh, ont un problème de croissance lié à des problématiques de compliance qui sont, euh, qui sont fortes. Et pour cela, euh, moi je dis que les banques... En Afrique, peuvent être capables, elles aussi, de mettre en place des indicateurs performants qui vont conduire à amener la croissance. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'on veut C'est attirer de l'investissement on veut développer les, nos secteurs stratégiques. Donc, pour ça, il faut qu'on ait un accès au crédit qui soit, qui soit bon. Et à partir de là, on va effectivement pouvoir générer de l'emploi on va pouvoir augmenter les recettes des États. Et ces recettes vont pouvoir être allouées après à des postes qui sont prioritaires, comme le disait mon collègue, tels que les infrastructures, la santé et l'éducation. Donc les banques ont un rôle majeur là-dessus. Si on parle d'éducation, M. Tarek-Chérif, justement, comment est-ce qu'on peut accompagner les entreprises, les jeunes entreprises à passer le cap difficile des trois années d'existence Quel est le type d'éducation que ces entrepreneurs doivent recevoir aujourd'hui Vous me permettez de porter un avis Bien sûr, de porter bord, un avis, euh... bien sûr. Un point très important, c'est tout ce qui est transport et logistique. Vu mon expérience, il ne s'agit pas de, de gérer soi-même un port ou un aéroport. La question, comment gérer pour augmenter l'attractivité du pays Comment gérer un port pour avoir une meilleure compétitivité des entreprises C'est ça ce qui compte. Peu importe qui va gérer. Si c'est l'État, tant mieux. Si l'État est capable de me donner les mêmes ratios, tant mieux. Mais si l'État n'est pas capable, désolé. Ce n'est pas parce que c'est l'État que c'est mieux. La souveraineté. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas faire le travail de protection du port ou de l'aéroport. Moi, je dis simplement, vous m'avez interpellé tout à l'heure au niveau de la croissance, du développement. L'élément transport-logistique est un élément déterminant. Il faut qu'on fasse attention. Cette question a été mal gérée par un certain nombre de pays en Afrique. Il faut faire attention. Je ne dis pas, encore une fois, qu'il faut laisser la souveraineté. Pas du tout. Je ne parle pas de douane ou de police. Je parle de, du ratio qui va toucher la compétitivité de l'entreprise et l'attractivité du pays. Donc j'insiste sur ce point, faisant très attention. Si l'État est capable d'être performant, tant mieux. Mais si l'État n'est pas capable, il vaut mieux avoir un PPP ou avoir une concession en faisant attention à tous les points de souveraineté, mais il ne faut pas toucher la compétitivité de l'entreprise et l'attractivité du pays. Le rôle de l'État, à mon sens, est d'abord de protéger sa population. C'est le premier rôle d'un État. C'est d'être capable de protéger sa population comme il se doit son territoire, bien évidemment, la deuxième chose essentielle, fondamentale pour nos pays, c'est l'éducation. Parce que c'est là où vous construisez les femmes et les hommes de demain. Si vous n'êtes pas capable de donner un... une éducation qu'il faut, une éducation qui prépare les, les gens pour les années futures, c'est que vous êtes à côté de la responsabilité qui vous incombe au niveau de l'éducation évidemment éducation santé et tout ce qui vient après c'est le rôle fondamental de l'état. mes collègues ici présents ont parlé de problèmes de financement. c'est un problème aigu. Le problème de financement? c'est un problème aigu dans les pays africains d'une manière générale. Évidemment, idéalement, il faut avoir des banques de développement. Il faut faire la différence entre des banques commerciales et les banques de développement. Nous sommes en France, la BPI a été créée il y a à peine 6-7 ans, parce qu'ils se sont rendus compte que les banques commerciales ne donnaient pas ce qu'il fallait, on n'était pas outillées. Pour accompagner les entreprises. Eh bien, regardez la BPI et les résultats de la BPI, avec un homme remarquable pour moi qui gère la BPI. La France a perdu des pans entiers de son industrie. C'est grâce à la BPI qu'elle est en train de réindustrialiser la France. Il ne faut pas avoir honte de voir des exemples de réussite. Ça, c'est un exemple de réussite en France, dans mon pays, la Tunisie. On, on, on a fait exactement le contraire. Moi, quand j'ai commencé à travailler à un peu plus de 40 ans, on avait trois ou quatre banques de développement qu'on a rendues généralistes. C'est une erreur. Et malheureusement, on n'a pas encore tiré la conséquence de cette erreur. Erreur d'appréciation. Une banque de développement, c'est tout à fait autre chose qu'une banque commerciale, de par sa structure financière, de par sa structure ressources humaines. Une banque de développement, vous avez des ingénieurs, ponts et chaussées, des polytechniciens, des gens qui réfléchissent filières. Et l'Afrique a besoin de filières. Si on n'est pas capable d'avoir des gens qui vous accompagnent, qui ont le cursus nécessaire, qui ont la, 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 comp la compétence nécessaire, qui ont également le métier. Eh bien, les jeunes promoteurs ne seront pas capables ou peuvent courir des risques avec des banques commerciales, pas par mauvaise volonté, mais parce qu'il n'y a pas les ressources humaines nécessaires. Ça, c'est un aspect pour la banque de développement. Deux, c'est la durée du crédit. C'est différent entre une banque commerciale qui vous donne de l'argent pour 5-7 ans et une banque de développement qui peut aller à des niveaux de 15 ans, voire plus. Trois, c'est le niveau du taux. C'est pas du tout la même chose. On peut pas faire du développement quand vous avez des taux très élevés. Et là, le, curseurs, le, pardon, le curseur, il est entre les mains de l'État. Pourquoi je parle toujours de vision, de volonté. Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je dois avantager Est-ce que je veux de l'industrie alimentaire Est-ce que je veux de l'industrie pharmaceutique Est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux faire Quelles sont mes priorités dans le pays Et le curseur est entre les mains de l'État pour donner plus d'avantages à ce secteur, à ces secteurs, avant les autres. C'est fondamental. Donc, au niveau du financement, quel type de, de banques, nous avons en face de nous. Voilà, ce sont des choses qui sont importantes et je ne voulais pas les oublier. Évidemment, dans la, dans la, la situation aujourd'hui en Afrique, pour moi, c'est pas parce que je suis industriel, mais l'industrie est fondamentale. Mesdames et messieurs, la souveraineté, c'est l'industrie, c'est pas autre chose. Sinon, on est à côté de la plaque. Sinon. On va pérenniser l'Afrique comme étant des clients et des consommateurs. Si vous n'avez pas l'industrie qu'il faut pour un certain nombre de secteurs, bah, vous avez raté vos choix. Désolé de le dire. Très bien. Merci. Les pays occidentaux aujourd'hui, madame, mm -hmm. on l'a vu avec le, le Covid. Les gens se faisait des bagarres sur le tarmac des, des aéroports pour les masques. Vous imaginez, on l'a vu. On ne peut pas plaisanter avec des médicaments. On ne peut pas plaisanter avec l'agroalimentaire. Il faut créer des chaînes de valeur. Mais, Mais ce sont des choix qui doivent être faits par les États. Voilà le rôle de l'État. Le rôle de l'État est tout à fait autre chose. Le rôle de l'État, c'est l'arbitrage. Ce sont des choix qui doivent être... Fait au niveau de la société, quelles sont les priorités pour un pays, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, sauf si on a des moyens extraordinaires, euh, des matières premières sans limite qui nous permettent de tout attaquer en même temps. Mais il y a des priorités qui doivent être connues, partagées par l'administration, par la direction de le, du pays et aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Nous, nous sommes un peu pressés par le temps et j'ai encore plusieurs questions, donc je vais aller euh, très rapidement. Monsieur Zezé, euh, à travers Bloomfield, aujourd'hui, les États africains sont notés. Euh, pourquoi cette notation qui crée souvent des polémiques, elle est importante Sur quels critères est-elle faite Et comment peut-elle accompagner euh, les, les États dans leurs décisions stratégiques, notamment d'investissement, et dans leur stratégie de croissance <coughs> La, la notation financière, c'est le processus par lequel une agence va établir ce qu'on appelle la qualité de crédit. Donc la, la crédibilité en réalité, la capacité et la volonté de ces États-là, et d'ailleurs pas que les États, des entreprises également, euh, à faire face à leurs obligations financières. La différence entre Bloomfield et les, les agences internationales, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on a été créé il, il y a 16 ans, c'est... Euh, de corriger le biais qu'il y avait entre la notation faite par les agences internationales pour les pays africains et les entreprises africaines. Parce que vous savez que des solutions doivent être adaptées. On le dit toujours, il ne faut pas faire du copier-coller il faut faire du copier-coller spécial. C'est-à-dire qu'on va adapter ce qu'on a, qu a vu ailleurs. Et dans la notation financière faite par les agences de notation internationale, on évaluait les pays africains et les entreprises africaines sur leur capacité à rembourser en dollars. Alors que les pays africains ont une structure d'économie, d'ailleurs, c'est de ça qu'on parle, hein, ces pays ne sont pas industrialisés. Donc évidemment, ce sont des pays de rente qui vendent leurs matières premières, collectent des devises étrangères, mais utilisent ces mêmes devises pour acheter des produits finis qui coûtent beaucoup plus cher que leurs matières premières qu'ils ont vendues à l'origine. Donc évidemment, on se retrouvent dans des situations où les niveaux de réserve des devises sont faibles. Donc sont condamnés à avoir de mauvaises notes sur ce modèle-là. Ce que nous, on a dit il y a 16 ans, on a dit c'est une mauvaise façon d'évaluer les pays africains. Le fait de ne pas avoir des dollars ne fait pas de vous quelqu'un de pas crédible. Donc, on a décidé de faire les notations financières en monnaie locale, ce qui paraît beaucoup plus logique. On va évaluer cette qualité de crédit donc cette crédibilité sur la, la base de monnaie locale et aujourd'hui, ça, ça reflète exactement la qualité de crédit des pays africains. Maintenant, évidemment, ils peuvent avoir cette deuxième notation s'ils veulent aller émettre des eurobonds, parce qu'évidemment, si vous empruntez en dollars, ben vous devez rembourser en dollars, c'est ça la logique. Et c'est important d'établir sa crédibilité, parce qu'on vit dans un monde où votre crédibilité va déterminer si vous faites du business avec les autres, si des gens viennent faire du business chez vous. Donc la crédibilité est quelque chose d'extrêmement important. Donc pour les pays africains, d'ailleurs, qui sont présumés, être mauvais, il est extrêmement important qu'ils établissent justement cette crédibilité-là pour montrer qui ils sont exactement. Quand vous, dites, quand vous parlez de l'Afrique, on présume toujours que l'Afrique est coupable et doit prouver, se prouver innocente. Ce qui est différent pour les autres pays. Les pays occidentaux sont présumés innocents et doivent prouver enfin, on doit prouver maintenant qu'ils sont coupables. Donc c'est ça l'enjeu en réalité. Et quand vous regardez les pays que nous avons notés ces derniers temps et les entreprises, on a vu le changement de paradigme dans leurs relations avec leurs partenaires et dans leurs relations sur le marché des capitaux. Des pays comme la Côte d'Ivoire ont réduit de façon significative leur taux d'emprunt sur le marché régional. Et d'autres entreprises également qui sont parties de 12% à 5-4% en 5-6 ans. C'est extraordinaire. C'est un élément qui est très dynamique. C'est un instrument qui est très dynamique, qui est nécessaire. Pour le développement des économies africaines et le développement du marché des capitaux sur, les, sur le continent. Merci. Euh, est-ce que vous avez par exemple un, un cas d'école Est-ce que finalement tous les pays devraient avoir une recette uniforme pour pouvoir euh, accélérer leur économie Ou est-ce qu'il y a des cas spécifiques Donc, Je crois qu'en qu fonction, fonction des pays, les, les priorités sont différentes parce que les pays sont à différents niveaux de développement. Euh, mais dans tous les cas, euh, la recette commune pour être un pays attractif, c'est l'investissement dans les infrastructures économiques. Quand vous voulez attirer des investisseurs, que ce soit même des investisseurs locaux, régionaux et internationaux, il faut que vous, voyez, que vous ayez des infrastructures économiques et sociales. Vous savez, beaucoup de pays africains euh, misent sur le code d'investissement où ils vous donnent euh, des, des réductions d'impôts à ne plus en finir. Mais les investisseurs ne viennent pas investir parce qu'ils ne vont pas payer des impôts. Ou payer moins d'impôts, ça ne s'intéresse pas. Quand on vient investir, la logique, c'est quel est le retour sur investissement okay, Et euh, quelle est l'opportunité même d'investir Et comment est-ce que je vais pouvoir faire mon business euh, euh, Est-ce que j'aurai euh, les routes nécessaires J'aurai les infrastructures nécessaires Mais non, si en plus de ça, on me propose une réduction d'impôts, tant mieux, c'est un bonus. Mm -hmm. Mais ce n'est pas l'essence. L'essence même de l'attractivité d'un pays. C'est le développement dans les infrastructures économiques. Vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire qui est devenu aujourd'hui un vrai Eldorado d'investissement. Pourquoi Parce que depuis 15 ans, ils ont mis un accent significatif, depuis, enfin, depuis après la crise, un accent significatif sur le développement des infrastructures. Évidemment, ça c'est un élément, mais après, il y a d'autres éléments. Comme je disais, euh, on revient encore sur l'éducation. Il faut créer de la main-d'œuvre. Et c'est bien d'avoir de la main-d'œuvre locale formée, c'est extrêmement important. Vous, vous retrouvez dans des dans des aberrations dans le genre des, des, des pays qui contractent avec des entreprises extérieures pour des projets précis et sont obligés, enfin obligés ou pensent se pensent obligés d'aller prendre des assurances à l'extérieur, des assureurs à l'extérieur, des avocats à l'extérieur pendant qu'ils ont des avocats dans leur pays. Donc, si on ne met pas l'accent sur eux, Former les gens dans nos propres pays. Et si et on, on ne leur, leur fait toujours... pas confiance pour ceux qui sont formés localement aussi. Pardon et si on ne fait pas confiance à ceux qui sont formés localement. Mais comment aussi vous pouvez ne pas faire confiance aux gens qui sortent des écoles que vous vous êtes supposés. Euh... Ce qui euh... arrive. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une question de priorité, question de volonté politique. Moi, si je suis, euh, euh, si j'ai un pays, je voudrais que même si je suis un pays libéral, je voudrais que mes entreprises soient les meilleures. Je voudrais que mes citoyens soient les meilleurs dans cette compétition-là, dont je mets les moyens suffisants pour que je souhaiterais que prendre un avocat dans mon pays, parce que l'avocat comprend les enjeux de l'environnement. Parce que vous savez, il y, a des, il y a des contrats qui sont. Tous les contrats qui sont mis en application dans un environnement doivent respecter un certain, code, un certain nombre de codes environnementaux, que ce soit culturels. Que ce soit euh, réglementaire ou, euh, ou, ou autre chose. Je pense que les, les avocats locaux comprennent mieux les contextes que des avocats étrangers sur un projet qui aura lieu dans le pays précis. Donc, il est extrêmement important de mettre l'accent sur le renforcement des capacités euh, des locaux plutôt que d'être toujours en train d'avoir euh, référence. Euh, à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais l'influence à l'extérieur. C'est pourquoi je parle de libéralisme. Beaucoup de pays africains ont compris l'importance d'être libéraux, oui, d'avoir des économies libérales. Mais dans cette logique de libéralisme, il est préférable que vous soyez les meilleurs chez vous dans cette compétition. Vous acceptez la compétition, mais vous voulez que vos entreprises et que vos citoyens... Soit les meilleurs dans cette compétition-là. Et pour ça, il faut investir dans l'éducation, il faut aussi investir dans les entreprises. On parlait tout à l'heure de financement à travers les banques. Mmh. Oui, ben, il y a différentes banques qui ont des différentes, enfin, différentes missions. Donc, la mission d'une banque de développement n'est pas la même que la mission d'une banque commerciale ou d'une banque d'investissement. Donc, toutes les banques doivent être présentes. Mais je crois qu'en Afrique, aujourd'hui, l'élément le plus important pour financer... Les PME sont euh, le moteur de la croissance et il faut trouver le moyen de financer les PME. Ce ne sont pas les banques commerciales parce qu'elles ne sont pas outillées pour, elles ne font pas du financement d'amorçage, donc pour les créations d'entreprises. Elles font du financement de développement. Mais il faut avoir une entreprise qui est arrivée à un niveau de vitesse de croisière pour pouvoir être développée. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce sont des fonds d'investissement africains avec l'argent des Africains. C'est-à-dire, vous avez des fonds d'investissement sur le continent mais qui sont des fonds d'investissement euh, étrangers, qui, eux, viennent pour le profit. Et je dis, c'est normal. Mais ils vont investir dans les infrastructures parce que c'est plus lucratif. Donc, ils ont des, euh, des, des coupons de 100 millions de dollars, de 500 millions de dollars, de 40 millions de dollars. Mais ce n'est pas ça les besoins des PME. Les besoins des PME, c'est euh, 200 millions de francs CFA, 400 millions de francs CFA, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards maximum en réalité. Donc, Aujourd'hui, pour moi, la solution du financement des PME en Afrique, ce sont des fonds d'investissement. Et pourquoi je dis fonds d'investissement avec l'argent des Africains C'est que les gens comprendront les enjeux de développement au-delà des enjeux de retour sur investissement. Et ça, c'est ce que les, les, les fonds d'investissement étrangers ne comprennent pas. Ils n'ont pas besoin de comprendre ça. Il faut des fonds d'investissement qui, dont les gestionnaires et les, les contributeurs comprennent. La logique de développement. du développement de l'Afrique. Merci beaucoup. Voilà. Mes deux dernières questions, parce que nous sommes pressés par le temps, s'adressent dans un premier temps à M. nguyen Tepe. Comment est-ce qu'aujourd'hui euh, le port autonome de Douala. Stimule la croissance en accompagnant notamment les commerçants, parce qu'on a, on a évoqué le sujet des, des réductions et des taxes douanières. Est-ce que c'est un mécanisme que vous pratiquez Si vous ne le pratiquez pas, comment est-ce que vous accompagnez justement ces commerçants qui ne cessent d'importer vers, euh, vers le Cameroun Comment vous rendez notre pays plus attractif Notre, votre pays plus attractif Merci. Euh, la, la, la problématique des taxes euh, n'est pas du ressort hein, de, de l'autorité portuaire, malheureusement. Ce sont des décisions qui sont prises à un niveau très élevé. C'est la politique budgétaire de l'État. Donc, il y a des années où justement l'État, pour des raisons qui lui sont propres, peut reviser à la hausse euh, certaines lignes concernant les taxes douanières, euh. mais. Pour ce qui relève de notre compétence, effectivement, tout à l'heure on parlait de des performances portuaires pour euh, rendre la plateforme attractive, pour euh, répondre aux besoins euh, de nos clients en rendant un service de, de qualité. C'est tout ce que je vous ai montré euh, en matinée, c'est-à-dire investir pour améliorer l'infrastructure et derrière l'amélioration de l'infrastructure il y a l'amélioration des performances opérationnelles, tous les indicateurs de performance. Et, tout à l'heure, quand je vous ai pris quelques exemples de, des actions de réappropriation euh, de nos richesses, ça participe également euh, du souci d'améliorer les performances opérationnelles qui jusque-là n'étaient pas satisfaisantes voilà, dans la, la, la gestion euh, concédée qui existait. Donc, je, je voudrais rassurer euh, notre, notre ami tout à l'heure pour lui dire qu'effectivement, quand on prend une décision dans un secteur comme celui des transports, et de la logistique, le premier élément, justement, euh, auquel on doit faire attention repose sur les performances opérationnelles, parce que c'est ça qui euh, euh, permet à, à la plateforme d'être attractive et, et compétitive. Et donc, pour revenir à, à, à ces figures, parce que j'ai donné juste quelques indicateurs financiers, je voudrais mmh. relever que euh, la reprise en main de ces activités nous a permis d'améliorer aussi bien mmh. nos performances financières que nos performances opérationnelles de manière globale. Et alors, la question qu'on pourrait se poser est de savoir pourquoi devrait-on demander à nos États de concéder des activités à forte valeur ajoutée aux multinationales, alors que des entreprises publiques peuvent mieux les gérer et créer davantage de richesses pour l'État et donc de contribuer à la croissance des États. C'est ça la problématique. Aujourd'hui, je vous ai donné des exemples. Le dernier que je peux vous donner, c'est l'activité de remorquage. Pour ceux qui connaissent les activités de la chaîne logistique, le remorquage au port de Douala était également une activité concédé pendant 15 ans, la multinationale qui était concessionnaire nous présentait toujours des bilans déficitaires. Comme quoi le remorquage n'était pas euh, 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 il à perte Alors à la fin de la concession, nous n'avons pas renouvelé la concession, nous avons repris en main l'activité de remorquage et dès la première année nous avons réalisé un bénéfice de 2 milliards, nous sommes à 4 milliards aujourd'hui. Alors, et cet argent aujourd'hui nous permet de réinvestir pour améliorer. Je suis les vraiment hyper désolée d'être la police du temps, mais je reçois des SMS de partout. Voilà. On est vraiment obligé de conclure la table ronde. Je suis hyper désolée. Merci, merci beaucoup à, à, à vous tous. On est vraiment désolés. On était pris par le temps. J'espère en tout cas que vous avez pu tous passer vos messages, et on espère vous revoir l'année prochaine pour les GNDA 11e édition. À bientôt. <laughs>